Ce que j'apprécie de ma formation en technique d'éducation à l'enfance au Cégep de Rivière-du-Loup, c'est le fait que notre formation soit vraiment pratique. De voir mes limites, de travailler, de voir mes forces aussi, de travailler sur mon estime de soi, parce que moi, d'où je viens, le rapport avec les enfants est différent. Puis moi, il m'a fallu aussi au début quand même un temps d'adaptation comme pour savoir comment réagir avec les enfants d'ici, pour moi aussi d'être en confiance avec eux. Bien, au niveau de l'intégration, Marianne Stéphanie, ça a quand même bien été parce que je pense qu'elle était ouverte à ça aussi, d'apprendre, de vivre des expériences, d'interagir avec différents, que ce soit les enfants, les parents, les employés, les autres éducatrices. La première journée que Marianne Stéphanie est arrivée, il y a une enfant qui l'a vue et qui est venue me voir et qui m'a dit « C'est qui, elle? » Et l'enfant, les deux parents viennent d'Afrique aussi. Et là, je lui ai dit « C'est une stagiaire qui va passer du temps dans votre groupe et tout ça. » Elle a dit « Oh, mais elle est pareille comme moi! » Et elle s'est approchée de Marianne Stéphanie, elle n'avait jamais eu de contact avec elle, et elle l'a pris dans ses bras comme ça, et elle l'a serré. Et là, je me disais, ah mon Dieu, juste pour ces moments-là, là, où on peut offrir à ces enfants-là du personnel éducateur qui leur ressemble, pour qu'ils puissent se retrouver dans notre milieu et qu'ils n'aient pas l'impression d'être justement parmi un paquet d'étrangers, mais de se retrouver dans le personnel éducateur, ça, là, ça n'a pas de prix, là.